Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de Baby Doge, de l'actualité de Baby Doge. Voilà. Il y a eu dernièrement une réunion avec la communauté. Alors, nous avons un résumé de cette rencontre que nous allons distiller ici. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons faire ici. Voilà. Et donc, ceci étant, nous allons commencer. Voilà, donc, il y a eu dernièrement une réunion, voilà, avec la communauté Baby Doge. Les développeurs ont échangé, ont répondu à certaines questions que la communauté a posées concernant l'évolution du projet. Et aussi, on va dire un bilan partiel à mi-parcours. Voilà. Et donc, nous allons essayer de vous relater ce qui s'est passé là-bas. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que, voilà, concernant, par exemple, certaines questions telles que, par exemple, la carte, la sortie de la carte, alors ils disent que cela ne dépend pas d'eux, que ça dépend de l'émetteur de la carte qui a beaucoup de volume déjà à gérer déjà comme commande alors qu'ils sont en attente par rapport à la carte. Voilà. Ok. Une autre information concernant les NFT. Alors, la communauté pose la question, quelle est l'utilité des NFT? Voilà la réponse. Les NFT, voilà, déjà sont utiles dans le sens de la décentralisation, utiliser des NFT dans le sens de la décentralisation, pouvoir acheter des Baby Doge aussi sans frais des 10%. 10% qui s'ajoutent quand vous partez swapper ce PancakeSwap. Alors, les 10% de frais là, vous êtes exonéré de ça quand vous avez les NFT. Voilà. Voilà ce qui a été donné comme réponse. Maintenant, concernant les brûlures. Une question qui va revenir plusieurs fois. Alors, on dit concernant les brûlures, est-ce que vous envisagez, c'est la communauté qui pose la question, est-ce que vous envisagez des brûlures massives? Alors, la réponse des développeurs, non. Voilà, aucune brûlure massive n'est au programme. Voilà, il est évident qu'après un an de brûlures, voilà, on n'a pas eu d'évolution significative dans le projet. Alors, selon eux, voilà, comment on appelle, il n'y a pas eu trop d'évolution avec tout ce qui a été brûlé, voilà, pendant un an. Alors, ils se disent que, bon, la brûlure n'est pas, comment on appelle, n'est pas trop l'option à se focaliser dessus. Ensuite, ils disent que, alors, cette brûlure sera remplacée, hein, sera progressivement remplacée, voilà, lorsque le Baby Doge Swap sera lancé. Voilà. Alors, au fur et à mesure, qu'est-ce qui va se passer quand la brûlure, concernant les brûlures qui sont faites, alors ils disent progressivement ça va ralentir et finalement même être échangé. Voilà, c'est-à-dire ils vont arrêter même carrément. Et puis maintenant, quand les gens vont aller utiliser le Baby Doge Swap, c'est-à-dire la plateforme d'échange décentralisée des Baby Doge, ils vont avoir des réflexions, ils vont avoir des récompenses là-bas. En fait, ils vont avoir des récompenses là-bas. Voilà, donc c'est au lieu de faire que ça soit un truc général d'une certaine façon, alors ils vont préférer donner ça en récompense, que c'est mieux de donner en récompense. Voilà. Et si vous savez déjà, c'est autour de combien de pièces qui ont été déjà brûlées actuellement, c'est 180, oui, 180, 198, voilà, 198 quadrillions qui ont été brûlés. Même les 50 là sont prévus, les 50 cas là aussi ont été comptabilisés dedans jusqu'à maintenant. Alors cela fait plus de 257 millions de dollars qui ont été brûlés. Mais selon eux, on n'a pas ressenti, hein, comment l'impact significatif de tout ça. Alors ils veulent passer à une autre phase en donnant ça en récompense, au lieu de brûler, de donner en récompense à ceux qui vont utiliser leur swap. Voilà. Concernant la blockchain. Alors, on dit qu'il n'y a pas de projet de blockchain en cours, pas de projet de blockchain en cours, qui ne voient pas l'importance de créer une blockchain actuellement.
Voilà. Maintenant, on pose la question, pourquoi Baby Doge est-il si lent dans sa progression? Ça, c'est la communauté qui pose la question. Alors, la réponse est donnée. La plupart des projets même sont, pour certains, ont disparu carrément. Il dit que la plupart des projets même, pour certains, ont disparu. Pour certains, ont disparu. D'autres aussi disparaîtront dans les mois à venir. Voilà, parce que voilà, ils n'ont pas pu résister à la baisse qui se passe même actuellement. Bien qu'on ait une hausse, comment on appelle, qui pointe le nez, mais cette baisse-là, que d'autres crypto-monnaies telles que Solana ont perdu jusqu'à 80% de leur valeur, Solana qui est passé de 250 dollars l'unité à 35 dollars l'unité. Voilà l'information, voilà la réponse que le développeur dit. Il dit, alors que Baby Doge est resté constant, Baby Doge a fait son épreuve du feu avec succès. Voilà, il a traversé l'épreuve du feu avec succès. Et ça, je le dis toujours, un projet qui se concentre sur les hypes, c'est pour, qui se concentre seulement sur le prix est monté, le prix est descendu, c'est un projet qui est voué à mourir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça le projet en vérité. Le projet, c'est l'écosystème qu'on met. Qu'est-ce qu'on met comme utilité derrière le projet qui va être vraiment, qui va permettre au projet d'être pérenne, c'est-à-dire qui va permettre au projet d'être au quotidien en contact avec les gens. C'est cette utilité-là qui fait qu'un projet demeure. Et c'est ce qui fait que le Shiba sera toujours en tête parce qu'il ne fait qu'innover. Il ne fait qu'innover dans ce qu'on appelle les IRL. Voilà. Et donc, c'est ce qu'ils disent ici que c'est pourquoi. Et ils vont eux aussi continuer à construire l'écosystème de Baby Doge pour le rendre utile à la communauté, utile au monde. Voilà. Et que Baby Doge, ils sont fiers que Baby Doge a passé l'épreuve du feu. Voilà. Pendant que d'autres crypto-monnaies se sont écrasées carrément, d'autres même ont disparu même. Dans cette baisse-là, d'autres ont disparu. Quand vous regardez vos différents traits sont allés, je n'ai pas besoin de vous dire. Certains projets ont disparu. Même certains projets que nous avons présentés ici, ils n'ont pas pu résister. Comment on appelle à cette chute-là. Et c'est ça aussi l'handicap d'un projet. Quand la communauté qui est derrière n'est pas assez forte ou n'est pas assez nombreuse derrière, alors s'il y a ces gens de baisse qui arrivent et que vraiment la publicité aussi n'est pas trop accentuée, alors le projet risque de prendre un coup. Alors c'est ça aussi, les risques aussi quand on investit. Faut être prêt à cela. Alors on a toujours dit ici, d'ici même peut-être 2026, au moins 80% des projets vont disparaître. De certains projets qui ne sont pas solides, qui n'ont pas mis d'écosystème en place, ne pourront pas résister ou atteindre ces moments. Le CEO de Binance même dit que lui-même, il est content quand cette période est arrivée, que ça va nettoyer le marché. Tous les faux là vont partir. Ça, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est les vrais projets qui vont résister, qui vont rester. Warren Buffett, lui, il dit quoi? Il dit, c'est lorsque la vague se retire, qu'on voit qui se baignait nu. Le monde est dans l'eau, quand il y a la vague là, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe en bas. Il y en a qui se baignent nu. Il dit, mais quand la vague se retire, on voit que tes fesses sont dehors. Donc c'est ça qu'il dit. Alors, pour dire simplement quoi, que tous les projets qui étaient accrochés à d'autres projets, maintenant si celui à qui tu as accroché, s'il chute là, toi aussi tu chutes. Maintenant, si toi-même tu as accroché, tout est 100%, c'est-à-dire que d'effort, là, c'est lié à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas pour toi-même, ce n'est pas lié à toi-même, ta communauté, mais c'est lié par exemple au Bitcoin. Lui, c'est un chef. Mais quand il descend là, il fait chuter tout le monde. Mais si ça se trouve que toi-même, tu as une communauté forte derrière, tu résistes au marché. Voilà le seul secret qu'il faut comprendre derrière les crypto-monnaies. Voilà. Et donc, on pose la question, mais qu'en est-il pour la migration V2? Est-ce que vous envisagez une migration V2? Alors, il dit, nous n'y pensons même pas à une migration actuellement, qui ne pense même pas à une migration actuellement. Voilà, mais si la communauté demande cela, ça peut arriver. Mais sinon, pour l'heure, nous n'en voyons pas le besoin. Voilà la réponse que les développeurs disent que vraiment, faire une migration aujourd'hui, c'est pourquoi. Voilà, que donc, ils ne voient pas le besoin de le faire. OK. Maintenant, autre partie importante même de, comment on appelle, l'échange qui a eu lieu, c'est sur le Baby Doge Swap qui doit être lancé bientôt. Alors, ils mettent beaucoup l'accent sur ça parce qu'ils veulent lancer une plateforme qui est décentralisée et qui va attirer aussi du monde.
Voilà, et pouvoir faire progresser aussi le projet. Alors, voilà les quelques informations sur le swap. Déjà, 0,3, on va dire 0,30% de réduction de frais seront appliqués. 0,05% vont aller au rachat de baby doge pour être brûlé. Voilà, c'est-à-dire, dès qu'il y a une transaction, 0,05% sont récupérés en baby doge pour être burné, pour être brûlé. Pour être, quand on dit brûlé, c'est d'envoyer dans un portefeuille infernal, c'est d'envoyer dans un portefeuille irrécupérable, c'est d'envoyer dans un portefeuille mort. Et quand ça arrive là-bas, on ne peut plus utiliser, on dit la pièce a été brûlée. Voilà. 0,2% dans la poule de liquidité. Donc, 0,2% vont en liquidité pour que Baby Doge continue d'être liquide sur le marché. Voilà, et d'avoir une bonne capitalisation boursière. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers cela. OK? Maintenant, une autre question concernant le jeu. Le jeu de Baby Doge, le Baby Doge, le métavers de Baby Doge, le jeu de Baby Doge. Voilà, ils disent que c'est presque prêt. On va dire même c'est prêt déjà. Mais ils sont dans les phases d'essai. Ils ont même déjà fait un premier essai qui a marché. Voilà, donc ils sont en train de mettre tous les derniers réglages en place afin que ce jeu soit lancé. Quelle sera l'utilité de ce jeu? Qu'est-ce qu'il va apporter? Alors, ils disent que c'est un jeu qui sera très amusant. Voilà. Et que voilà, ce jeu-là va apporter de la visibilité aussi à Baby Doge. Voilà, selon les informations. Et que le jeu sera peut-être sur Android. Voilà, si on a bien saisi. En tout cas, je pense que le jeu sera sur Android comme la manette Shiba veut faire aussi le sien. Voilà. Comment Baby Doge arrive à se stabiliser dans un marché aussi volatile et baissier actuellement? La question qui est posée, mais comment Baby Doge, quoi qu'il en soit, il arrive à se stabiliser quand même à un certain niveau? Comment il fait? Alors, quel est votre secret? C'est ce que la communauté pose. Il dit, il n'y a pas de secret particulier. C'est une question de liquidité. Alors, Baby Doge est très liquide. Voilà, vous connaissez la capitalisation boursière de Baby Doge. Alors, ça fait de sorte qu'aujourd'hui, il serait difficile. Alors, il donne un exemple. Après, je vais vous expliquer. Il dit, il serait difficile aujourd'hui de faire chuter ça jusqu'au point du non-retour. Voilà, et aussi difficile aussi de faire augmenter aussi rapidement. C'est ce qu'il disait aux gens qui ont vu Shiba faire 60 millions de pourcents et qui s'attendent à faire les mêmes exploits maintenant. Au moment où il faisait 60%, 60 millions de pourcents, la liquidité était à combien? La capitalisation boursière était à combien? Voilà. Et avec comme, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la crypto-monnaie évolue, que sa capitalisation boursière grossit, alors ça devient difficile de faire les mêmes exploits qu'hier. C'est ce que vous devez comprendre derrière ça. Voilà. OK? Donc, pour revenir, l'exemple qu'il donne ici, il dit, par exemple, si un projet, quelqu'un lance un projet, voilà, qui a une liquidité, par exemple, comment on appelle, qui a un projet qui a 100 000, qui a 100 000 tokens, par exemple, comme jetons, un truc comme ça, 100 000 dollars, par exemple, qui a 100 000 dollars, par exemple, comme jetons, et puis maintenant, comment on appelle, il a 10 millions de market cap. Hein? Il a 10 millions de market, il a 10 millions de, en fait, il a 100 000 dollars de liquidité, il a 10 millions de pièces, il a 10 millions de pièces. Maintenant, ce projet-là, si quelqu'un vient acheter, c'est-à-dire que dans ces 10 millions de pièces qu'il a, le projet a lancé, si quelqu'un vient acheter, comment on appelle, pour 100 000 dollars, ça va augmenter. Il dit que le projet peut augmenter de 80 à 90% si quelqu'un vient acheter pour 100 000 dollars. Mais si quelqu'un vient vendre, ne serait-ce que pour 50 000 dollars, sachant déjà que la capitalisation boursière totale est de 100 000 dollars, alors il dit que cela aussi peut faire chuter le projet de 80 à 90% aussi. Voilà ce que les projets qui ont moins de liquidités aussi, auxquels ils sont exposés aussi. Autant ça peut faire monter. Donc, le projet a fait 2 000 %, a fait 3 000 %. OK. Mais il peut aussi chuter aussi de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez liquide. Voilà ce qu'il donne comme exemple ici pour expliquer aux gens que Baby Doge a fait son épreuve du feu et continue d'avancer sur cette lancée. Voilà. Ensuite, il explique que, voilà, concernant par exemple la
création même de Baby Dolls. Il dit, on lui pose la question, mais comment as-tu eu l'idée de créer Baby Dolls? Il dit, bon, lui, il a vu Shiba avec un quadrillion, c'est-à-dire 1 million de milliards, en tant que développeur. Alors, il dit, bon, je vais créer pour moi, mais il a fait 420 quadrillions, 420 millions de milliards. Maintenant, moi, je me pose la question, pourquoi 420? Tu ne peux pas faire 2, tu ne peux pas faire 3. 420, là, c'est pourquoi? Hein? Les développeurs, là, même, là, souvent, quand ils doivent faire les choses là-haut, je ne sais pas, tellement ils sont des geeks, ils sont, c'est-à-dire que des gens qui sont concentrés sur Internet, ils sont plus au courant de ce qui se passe autour d'eux. Donc, en tant que développeur, je m'adresse aux développeurs. En tant que développeur, quand tu veux lancer une pièce, faut pas te lever parce que toi, tu connais les algorithmes, tu peux faire les choses et puis lancer. Non. Faut appeler quelqu'un qui est dans la communauté, qui est très actif dans la communauté, demande-lui son avis. Ah, je vais lancer une pièce. Tu penses que quelle quantité de pièces sera mieux? Tu vas entendre des choses que, en tant que développeur, tu n'as pas encore entendu. Parce que c'est eux qui vont venir payer. Toi, tu n'es qu'un développeur, tu n'es que quelqu'un qui met les algorithmes en place. Mais ce qui se passe en arrière-plan, tu n'es pas au courant. Sinon, tu n'allais pas créer autant de pièces. Tu as créé autant de pièces, maintenant, toi, tu souffres dessus maintenant. Toi-même, tu souffres dessus. C'est pourquoi maintenant? Il faut tirer des leçons. Le Shiba aussi, là, pourquoi aussi il n'est pas allé bloquer ça comme dans PancakeSwap? Shiba a bloqué 50% dans Uniswap. Lui aussi, en tant que développeur, pourrait bloquer aussi 50% de l'offre. S'il avait bloqué 50% de l'offre dès le lancement, là, Baby Doll allait faire des exploits extraordinaires. Pourquoi il n'a pas brûlé aussi 50% si tu veux suivre le Shiba? Alors, vas-y comprendre que derrière ce genre de choses, quand ces développeurs veulent lancer, là, ils ne réfléchissent pas. Vous ne voyez pas les chiffres, nos billes, les quoi. C'est maintenant qu'ils sont en train de penser à faire d'autres choses pour pouvoir réduire les différents trucs. Ce n'est pas intéressant de faire des millions, des milliards, des milliards de pièces. c'est vraiment bizarre. Voilà. Donc, ça c'était juste pour rigoler. Donc, il dit que lui, et si, en le créant, comme de la manière aussi de Dogecoin a été créé, il dit qu'il n'avait pas pensé à un tel succès. Dogecoin aussi, quand on a posé la question aux deux personnes qui ont lancé Dogecoin, là, il dit lui, il a créé ça quand il a vu le Bitcoin vraiment a fait des exploits. Il dit, bon, en tant que développeur, attends, je vais regarder la blockchain du Bitcoin et puis créer une blockchain rapidement, ou bien créer une crypto. Il va créer une crypto-monnaie rapidement, s'inspirant déjà du Bitcoin, et il crée comme ça le Dogecoin, il met ça, et puis ça devient après viral dans sa main. C'est même chose que développeur de trucs aussi, de cette petite monnaie, Baby Doge aussi vient de dire que lui, il a lancé ça comme ça. Il ne savait pas que ça allait devenir aussi important dans sa main. Voilà que c'est devenu important maintenant. C'est maintenant qu'il va ajuster les choses, il va essayer de mettre un écosystème, parce qu'il n'avait pas prévu que ça soit vraiment quelque chose qui allait plaire aux gens. Voilà ce qu'il dit. Et que surtout, quand il a su maintenant que ça plaît aux gens et que les gens s'intéressent à la pièce et que la communauté atteint plus de 1 500 000, alors il dit non, ce n'est plus du jeu maintenant. Il faut mettre du sérieux derrière, et c'est ce sérieux-là qu'ils sont en train de construire maintenant autour de Baby Doge. Donc comprenez que, voilà, et ils ont navigué à vue. Voilà, ils ont navigué à vue. Ça n'a pas été prémédité, préparé comme Shiba a été prémédité et préparé. Baby Doge a été lancé sur un coup de dé et ça a pris. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui est dit. Voilà. Alors, concernant le jeu, quelle autre information on nous dit par rapport au jeu ici? Il dit, on pose la question, qui pourra jouer au jeu? Est-ce seulement les détenteurs de NFT seulement qui vont jouer au jeu? Alors, la réponse est que tout le monde pourra jouer au jeu. Voilà, même les détenteurs aussi de NFT, tout le monde pourra jouer au jeu de Baby Doge. Voilà ce qui est dit. Maintenant, on dit, mais concernant les détenteurs de NFT, alors eux seront exonérés des 10% de frais qui sont appliqués quand on achète des Baby Doge. Alors, ils seront exonérés, c'est-à-dire ils ne vont pas payer ces 10%-là. Voilà. Quand ça serait sur le swap de Baby Doge, ils ne vont pas payer les 10% là-bas. Voilà ce qui est dit. Voilà. Et concernant la brûlure, voilà, ils disent que, le développeur dit que les brûlures vont être ralenties au fur et à mesure. Ils vont ralentir les brûlures, peut-être même les arrêter à un certain temps. Voilà. Et surtout maintenant, donner des récompenses, c'est-à-dire ce qui était prévu être brûlé, ils vont donner en récompense à ceux qui vont être utilisateurs du Baby Doge Swap. Voilà ce qui est à venir concernant l'évolution. Voilà. Ok. Maintenant, il dit aussi concernant aussi
les différentes montées, les explications, il dit, si le Bitcoin monte, le BNB monte, si le BNB monte, les baby doge montent, alors faites l'analyse dans ce sens. Donc si le Bitcoin descend, le BNB descend, si le BNB descend, le baby doge qui est lié à la blockchain, comment on appelle, de la Binance Smart Chain, alors aussi va descendre aussi. Donc, il y a une corrélation entre tout ça. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, certaines pièces ne peuvent même pas tenir à la chute du Bitcoin parce qu'eux-mêmes n'ont pas une communauté solide derrière qui soutient le projet au quotidien. Alors, c'est le fait de soutenir le projet au quotidien aujourd'hui qui fait que Baby Doge a atteint ses sommets. Quels commentaires nous pouvons faire sur tout ce qui a été dit? Alors, nous devons comprendre que c'est un projet de longue haleine. C'est un projet qui va prendre son temps pour se construire. C'est un projet qui mérite aussi l'attention parce qu'avec 1 500 000 holders, alors on ne peut pas cracher sur tout ça. Alors, le développeur est obligé de créer quelque chose de sérieux maintenant parce que alors la chose a dépassé lui-même son entendement. Alors, il est obligé d'ajuster les choses aujourd'hui, de créer un écosystème très attractif autour de la monnaie, créer des choses utilitaires, voilà, pour que Baby Doge puisse demeurer, pour vraiment rester sur le long terme. Voilà ce qu'on doit comprendre à travers cette vidéo, à travers aussi toute cette réunion, et dire que, voilà, ils veulent mettre aussi l'accent sur le Baby Doge Swap, qui sera pour eux, comme on appelle, un lieu de brûlure, en même temps un lieu de récompense pour la communauté, afin de maintenir la communauté et d'attirer beaucoup de capitaux aussi là-bas. Voilà ce qu'on doit comprendre. Le jeu aussi des métavers aussi qui est en train de venir aussi va apporter aussi de la visibilité, voilà, à Baby Doge. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur la réunion dernière de Baby Doge. Voilà, ils ont même fait, comment on appelle, une petite vidéo concernant cette réunion. Ils ont fait un peu le résumé en vidéo. Voilà, on va vous montrer quelques images de cette petite vidéo et puis bon, nous allons conclure la vidéo. Tout ce que je viens de dire ici, tout ça, ça a été résumé, voilà, un tant soit peu de leur façon, en tout cas en images. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails qui n'ont pas été donnés, mais ils ont résumé pour dire ceux qui n'ont pas suivi la réunion, voilà ce qui a été dit, mais l'accent a été mis ici, sur aussi le Baby Doge Swap aussi. Voilà, pour dire que, voilà, Baby Doge fait des efforts pour avancer, alors aidons-le aussi à atteindre ses objectifs aussi, à travers, oui, il y a une question même qui avait été posée, par la communauté a posé en fin de questionnaire là pour dire mais qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider Baby Doge à atteindre ses objectifs. Ils ont dit effectivement tout ce que vous pouvez faire partout où vous vous trouvez, allez parler de Baby Doge. Si vous pouvez faire ça en collant des étiquettes sur vos voitures, sur vos motos, ou bien faire des t-shirts comme de la manière que je le fais, alors, il dit tout ça, c'est des choses qui sont intéressantes, que ça crée l'adoption autour de cette monnaie. Que ne faut pas que quelqu'un se néglige pour dire, est-ce que lui, en tant qu'individu seul, il peut apporter de la valeur à Baby Doge. Il dit tout le monde est important. C'est une communauté forte de 1 500 000 personnes. Alors, si chacun d'entre nous essaie d'en parler autour de nous, qu'au moins 5-10 personnes rentrent, alors combien nous serons et combien aussi vont venir acheter aussi pour créer encore de la valeur autour des Baby Doge, et donc le nombre de pièces étant en train de diminuer, c'est tout le monde qui est gagnant. Donc voilà ce qu'ils disent en fin de vidéo, que tout le monde est invité à faire ces t-shirts, ceux qui veulent aussi les t-shirts. Voilà, donc contactez-moi pour les t-shirts, pour ceux qui veulent les t-shirts Baby Doge, même Shiba,
voilà, même Raqqa aussi, contactez-moi afin que je vous aide à acquérir ces t-shirts assez coquins. Voilà, pour que chacun soit à l'aise. Parce que partout, quand nous portons ça, tous ceux qui sont dans la crypto-monnaie, souvent, il y a un jeune, un jour même, j'ai passé à Djamé là. Donc, il a couru derrière moi pour venir. Monsieur, 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 oui, de quoi il s'agit? Ah, vraiment, j'ai vu votre t-shirt là, ça m'a fait chaud au cœur. Il dit, ah bon? Comment ça? Vous êtes dans le domaine de la crypto-monnaie? Oui, je suis dans le domaine de la crypto-monnaie, mais je me sens isolé. Je me sens isolé. Mais quand je vois quelqu'un qui porte ça avec fierté, quoi, dans la rue, je sais que je ne suis pas dans un mauvais truc. Donc, vous voyez déjà que ça apporte de la chaleur quelque part. Donc, c'est bon ce que tu fais de faire connaître là. Et de toutes les façons, ce n'est pas marketing des réseaux pour dire si tu mets deux, tu mets trois, tu vas gagner. Ça, c'est un truc communautaire. Plus la communauté grandit, plus nous sommes tous gagnants dans l'affaire. Alors, faites du mieux que vous pouvez pour en parler autour de vous, que tu sois dans un village, que tu sois dans un quartier, que ce soit à la maison. Faites ce que vous pouvez. Voilà, parce que c'est tout le monde qui gagne. Voilà ce que je pouvais vous dire, voilà, sur Baby Doge. Et aussi, une dernière information, les gens ont posé la question, mais c'est quand même, ils vont aller sur Binance même. Le développeur dit que, effectivement, Baby Doge envisage cela, mais il n'est pas encore pris au sérieux par ces aides de Binance. Il n'est pas pris au sérieux parce que, voilà, il le met toujours dans la catégorie des mêmes. Bien qu'il y ait une communauté forte, d'autres même pensent même que la communauté derrière, est-ce que ce n'est pas des robots, des bots qui travaillent pour que cette communauté aussi soit aussi grandissante en si peu de temps. Alors, le développeur dit que nous devons tous travailler, chacun à son niveau, pour que Baby Doge puisse prouver à Binance qu'il est une pièce de valeur. Alors, Binance ne peut plus rien faire que de lister Baby Doge. Comme je vous ai déjà présenté dans certaines vidéos ici, le listing de Binance, ce n'est pas le fait que tu as l'argent. Mais est-ce que tu as une communauté dynamique derrière? Est-ce que c'est un projet qui mérite l'attention? Tout ça fait partie des critères de Binance. Alors, si c'est un projet qui mérite l'attention, quand on regarde les fondamentaux du projet, on doit voir quelque chose de sérieux dedans. Pourquoi le Shiba même a été listé sur Binance aussi vite? Le Shiba a une communauté agressive. Vous devez comprendre ça. Et ils jouent pas. Et ils jouent. C'est-à-dire, ils sont très actifs. Très, très actifs. Et donc, ça fait que la pièce a fait des bons extraordinaires. Étant ERC-20, en cette période-là, tu ne peux pas imaginer que le ERC-20, les frais étaient encore exorbitants. Mais les gens payaient. Les gens payaient. Jusqu'à ce que d'autres plateformes ont commencé, les Hotbit, tout ça, ont commencé à lister pour démocratiser la pièce au fur et à mesure. Donc, tout ça. Binance, les gens étaient sur Binance, 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 j'étais jusqu'à Binance était obligé de, parce que Binance a dit, il n'a pas vu une crypto-monnaie ERC-20 qui a fait l'exploit de Shiba depuis la création de ERC-20. Il dit, il n'a pas encore vu, qu'il n'avait pas le choix. Tous ses mails étaient bourrés de messages des gens de Shiba. Ils sont sur son Telegram, ils sont sur son Twitter, ils sont sur les mails, tout partout on voit Binance. Ils vont remplir Shiba là, c'est quand vous allez lister. Tellement ils ont vu ça, donc Binance était obligé de lister. Baby Doge, aujourd'hui même, a plus de communauté que Shiba. Mais ce sont les fondamentaux qu'il doit mettre autour du projet pour le rendre encore deux fois plus sérieux, afin que ces aides de Binance aussi puissent aussi s'intéresser à la monnaie. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Voilà, dans le résumé, voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro est dans la description et sur la vidéo aussi. Vous pouvez trouver aussi le numéro. Voilà. Et la prochaine formation au niveau de San Pedro, c'est avec le leader qu'on appelle TB Joseph, le leader qu'on appelle Sengo. Pour les inscriptions au niveau de San Pedro, Abidjan, c'est toujours avec le leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Voilà, au niveau de Daokolo, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. Au niveau de Mans, voilà, c'est le 3 et le 4 septembre prochain, voilà, à Mans. Donc, vous devez interagir directement avec le leader de Mans qui est, comment on appelle, Niawa.
pour les différentes inscriptions afin que nous soyons en main pour dispenser de cette formation très très intéressante. La formation au niveau de d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi, que vous devez interagir là-bas. La formation au niveau de l'international à Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir. La formation au niveau de le pays du côté de la RDC, donc c'est avec le grand leader Faustin là-bas que vous devez interagir. Alors très bientôt aussi vous aurez une date aussi pour le côté de la RDC. Au Togo, nous avons toujours le grand leader qu'on appelle Abraham, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions le côté du Togo. Maintenant, pour terminer, c'est au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Mahama que vous devez interagir. Voilà, ceux qui ont été oubliés, voilà, alors tous les numéros sont dans la description, vous pouvez les contacter afin que vous puissiez profiter de cette formation. Voilà, à chacun, c'est 100 milliards de baby doses. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance.